Je compte les points. On va commencer ce matin avec vos immanquables, Julia. Donc, c'est la folie des... Ça se multiplie au théâtre. Alors, on le savait, hein, les grandes histoires, les grands destins, ils fascinent déjà depuis un moment au cinéma. Et puis, c'est vrai que ça marche bien. C'est assez vendeur en général. Là, depuis septembre, depuis ce début de saison théâtrale, c'est une folie. Plusieurs dizaines de... Alors, on démarrait dans le sillage un peu de cette pièce d'Alexis Michel, d'Edmond Rostand, bien sûr, oui. Et qui cartonnait et qui est toujours sur scène six ans plus tard au Palais Royal. Des dizaines de pièces biographiques sont montées ou se poursuivent en ce moment, cette fin d'octobre. Et qui font la part belle aux femmes. On dit merci au théâtre de nous rappeler que ces destins, ils sont formidables. Alors, Simone Veil va commander par moi-même. Claire, je vous avez adoré, vous validez. Agatha Lincoln, parce que quand on pense à Agatha Christie, on pense un peu à une vieille dame accompagnée de sa machine à écrire et de drôlerie. Pour les c'est génial. Isabelle, sur la scène de la salle Pléiade, très très gros. Et les hommes, évidemment. En fait, vous n'êtes pas au cinéma, vous n'avez pas les mêmes moyens. On a 1h10, 1h40, ciblé, une rencontre. Et du coup, on va se concentrer sur ce personnage. Les noms, les acteurs ne sont pas toujours connus, les auteurs non plus. Donc, on mise sur le nom de ce personnage célèbre qui fait partie du patrimoine. Et oui, ça m'a là, du côté des hommes, on va vous parler de Zola, on va vous parler de Van Gogh. Robert Capa, David Georges Roger et Henri Cartier-Bresson, bien sûr. Le roman graphique Magnum, d'où vient le nom Parfois, certains coups pensent que ça aide.